Partenaire dans l'œuvre de Dieu, c'est une grâce. Et répétez-le encore à haute voix. Être partenaire dans l'œuvre de Dieu, c'est une grâce. Alors, une grâce tout à fait particulière. Gloire à Dieu. Je l'ai dit souvent, bien-aimés, pour tous ceux du moins qui croient à ce que Dieu nous révèle ici, parce qu'il y a d'autres qui ne croient pas, c'est leur problème. Que l'argent est un pouvoir, que les affaires également sont spirituelles. L'argent a un pouvoir, les affaires sont spirituelles. C'est comme cela que vous remarquerez que vous commencez bien une affaire. Malheureusement, à cause de beaucoup de problèmes que vous rencontrez dans la vie, soit vous échouez complètement, soit c'est une vie de haut et bas, ou encore beaucoup d'autres choses, tout simplement parce que les affaires ont un caractère d'abord spirituel. Si vous voulez réussir dans les affaires, alors allez de l'avant, vous devez associer Dieu. Associez Dieu, alors, mettez également en pratique tout ce qui est recommandé comme principe de la prospérité. Vous remarquerez beaucoup quand il commence. Peut-être qu'il commence demain parce qu'ils ont un capital et croient qu'avec le capital, ils vont aller loin, alors que c'est juste le contraire.
Remarquez, dans beaucoup de billets de banque à travers le monde entier, surtout en Afrique, vous remarquerez souvent qu'il y a des coquilles. Ça va? Je peux dire certains animaux marins. Dans beaucoup de billets de banque, il y a des coquilles. Et si vous comprenez spirituellement des choses, beaucoup de pays également, leur économie est contrôlée par des pouvoirs marins. Et remarquez où allons dans la Bible l'histoire de l'arche de Dieu contre Dagon, qui était la reine des eaux. Pendant que les enfants d'Israël, ils étaient en problème avec l'autre camp des Philistins, et quand ils avaient arrêté Samson, ils ont préféré que Samson vienne jouer devant leur dieu, qui était le dieu Dagon, qui était juste une reine des eaux. Et on avait remarqué, en fin de compte, ils sont allés placer l'arche de Dieu dans leur temple là-bas le matin. Leur dieu Dagon s'est retrouvé par terre, émietté devant l'arche de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que l'argent est un pouvoir. Si vous n'associez pas Dieu dans vos affaires, l'argent va vous contrôler. C'est comme cela. La pauvreté localise la vie de plusieurs gens, même les chrétiens qui sont dans les sanctions. Le pouvoir de l'argent est là pour le détruire aussi. Alors que dans la Bible, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'ennemi aussi est rentré là-dedans pour s'infiltrer, pour détruire tout ce que Dieu a créé. Le diable aussi est à ses côtés pour voir. Pour ceux qui seront distraits, comment les détruire. Si vous n'associez pas Dieu dans vos finances, quel que soit le capital que vous avez, vous allez toujours échouer. C'est comme ça le thème de ce soir. Vous devez refuser la pauvreté. La pauvreté, c'est une malédiction. Quand nous voyons, Coral, merci à ceux aussi. Quand nous voyons plus loin dans la Bible, dans le psaume 139, verset 14, David disait: J'étais lourd de ce que je suis une créature merveilleuse. Oh, ça c'est David qui disait: Seigneur, j'étais lourd parce que je suis une créature merveilleuse. Toi également, Dieu t'a créé comme une créature merveilleuse, une créature excellente. Parce que c'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. C'est-à-dire, si tu es réellement Dieu, tu peux commander à l'argent de venir, l'argent va te suivre. Parce que tu as ce pouvoir-là en Jésus-Christ. L'ennemi aussi va se rassurer que tu sois toujours une victime pour lui, c'est-à-dire de ne pas respecter les principes de la prospérité qui sont édictés dans la Bible. Et ces principes-là sont simples. J'ai dit souvent que je peux me mettre ici en train de vous dire: recevez l'onction financière, recevez ceci, cela. Si vous ne mettez pas en pratique les principes qui sont comme soubassement pour la prospérité, vous n'aurez rien aussi. Ça va te déclarer, oui, le potentiel est là, mais tu n'as pas su ouvrir, activer cela pour accéder au trésor. Malachie 3 dit, Dieu nous dit que vous êtes en train de me tromper dans vos dîmes et vos offrandes. Même ceux-là qui ne sont pas des chrétiens, mais ils ont souvent l'habitude, je ne sais pas, d'aider les pauvres, de faire ceci, cela, de donner. Derrière l'acte de donner, Dieu ouvre également leur ciel.
Dieu a commencé d'abord par donner. Dieu nous a donné d'abord ce souffle de vie. Dieu nous a donné son fils Jésus-Christ en sacrifice. Mais en signe de reconnaissance, qu'est-ce que vous donnez à ce Dieu-là? Vous n'êtes même pas reconnaissant à ce Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent, de tes finances. Non, Dieu a besoin d'un mécanisme par lequel il va te bénir. C'est-à-dire, cherche à rentrer dans ce mécanisme-là qui est en rapport avec sa parole pour ouvrir ton ciel de bénédiction. Dieu nous a fait grâce dans ce ministère de découvrir un peu plusieurs causes qui amènent la pauvreté, la sécheresse, les échecs dans la vie des gens. Parce que Dieu voudrait que ses enfants mènent une vie meilleure. Dieu voudrait que ses enfants soient toujours au top. Dieu voudrait que ses enfants réussissent dans tout ce qu'ils feront dans leur vie. Le diable aussi est là pour dire non à cela. Et le principe pour réussir dans la vie. Et toi qui es partenaire, je dis souvent que chaque début de la semaine, comme aujourd'hui, nous commençons la semaine. De la même façon que vous commencez vos travaux, ou les travaux, tous les travaux de vos mains, un lundi, même si vous travaillez dans une entreprise, vous vendez dans un magasin, en fait, vous commencez également début de la semaine. C'est-à-dire que vous commencez avec Dieu. Alors, soyez fidèles à ce Dieu-là pour que toute la semaine également soit bénie pour vous. Je vous dis que l'argent est un pouvoir. Les affaires sont spirituelles. Par la grâce de Dieu, nous comprenons beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel, notamment dans la vie des plusieurs ici, par le fait que, par l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous a révélé comment la pauvreté a localisé beaucoup de gens. Tout simplement parce que des fois, il y a l'arrière-grand-parent a hypothéqué toute la progéniture parce qu'il voulait être riche, il voulait être un grand pêcheur. Il a hypothéqué toute la progéniture, 500 000 ans, pour la pauvreté. Même si vous évoluez, si vous ne brisez pas cela, tôt ou tard, vous allez chuter. On a vu aussi que dans beaucoup de familles, il y a ce qu'on appelle le Kodia, et il y en a dans toutes les tribus, il y en a ici. L'arrière a hypothéqué toute leur famille, c'est-à-dire tout ce qui était leurs avoirs, tout était vendu. Et quand vous venez à Christ maintenant, vous devez vous lever en prière, reconnaître cela, briser cela, pour aller déterrer ce qui était enterré depuis des générations. Sinon, vous allez tourner en rond. Il y a ceux-là également dont les ancêtres étaient des guerriers qui cherchaient toujours à avoir l'autorité, le pouvoir. Ils ont vendu également la progéniture. D'autres également qui voulaient avoir, être des grands chasseurs, ils ont vendu la progéniture. Et cela amène la pauvreté dans la vie des gens. Et tu verras également que dans la famille, à cause de ces liens ancestraux, il y aura quelqu'un aussi dans la famille qui va aller toucher aux choses pour dire que c'est celui-là qui a beaucoup d'argent alors qu'il travaille avec les toits de tout le monde dans la famille. Vous ne recourez qu'à lui. De l'argent sale. Et cet argent sale dans la famille, les gens veulent également se rassurer que cet argent sale continue à contrôler même des innocents qui viendront plus tard. L'argent est un pouvoir. Les affaires sont également spirituelles. Si Dieu a révélé chaque début de la semaine
pour des partenaires, parce que Dieu voudrait qu'à travers vous, que vous puissiez faire des grandes affaires qui vont étonner le monde. Amen. Si vous occupez des postes dans l'entreprise, si vous croyez, Dieu voudrait que vous occupiez des postes encore élevés, élevés, même au sommet, parce que vous êtes partenaire dans l'œuvre de Dieu. Que la faveur de Dieu vous localise partout où vous serez. Vous et vos enfants. Et si vous faites des affaires, Dieu voudrait également que vous puissiez être la personne qui va décrocher des grands contrats, les contrats qui vont surprendre le monde. C'est Dieu. Pour ceux-là qui croient, ok. Mais beaucoup de gens viennent ici, ah, c'est du théâtre, à Banus, parce qu'on est un théâtre. Au côté, la paix pour ta théâtre. Ce qui se passe ici, ce n'est pas l'apôtre, c'est Dieu qui permet cela. Dieu a révélé ce ministère de cette façon-là. C'est Dieu. Dieu permet qu'il y ait la théorie et Dieu permet également de vous démontrer ce qui se passe dans le monde spirituel pour que vous compreniez où sont vos batailles. L'ennemi aussi s'élève pour distraire les gens. Théâtre, théâtre. Oh, tu as un théâtre. Le bon voisin, tu vas aussi rester quelqu'un du théâtre. Parce que le diable te retient pour ne pas comprendre des choses. Beaucoup sont venus ici avec beaucoup de problèmes. Et ils n'ont jamais connu même la cause, la source de leurs problèmes. Dans la lumière du Saint-Esprit, tout était révélé. Et quand Dieu commence leur délivrance, c'est l'orgueil. Dans ton voisin, quand les réclamations te récupèrent, tu es responsable de ta destruction. Dites-lui. Dieu t'a donné une occasion, mais tu veux te détruire toi-même. Tu es l'ami de Satan. L'argent est un pouvoir, les affaires sont spirituelles. Un enfant de Dieu, un partenaire dans l'œuvre de Dieu, tu as le pouvoir, si réellement tu es fidèle à Dieu, d'appeler l'argent. L'argent viendra. Tu peux appeler le contrat. Le contrat. Le contrat viendra. Je le disais une fois ici, non? Il y a deux, trois ans. J'avais besoin d'un fait. J'ai dit, il me manque 30 000 dollars. Je rentre en prière le matin. Le temps de terminer la prière, je ne m'attendais même pas. Le téléphone sonne. Monsieur, on te doit de l'argent, ça fait une année. Il y a 30 000 dollars ici. Oui, j'ai demandé, les anges sont allés, ils ont payé l'argent aussi. Tu peux appeler l'argent, l'argent va venir si tu as Dieu. Tu peux ordonner aux anges de Dieu d'aller par-ci si tu as Dieu. Et ils vont aller libérer tout ce qui était fermé et te le ramener si tu es sérieux avec Dieu. Sois seulement fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, les actions de grâce, et tu verras que ton ciel sera ouvert. Pourquoi Dieu a révélé que chaque début de la semaine, comme aujourd'hui, nous tenions ces kits de partenaires? Parce que Dieu sait que ce sont des partenaires. Avec ces partenaires-là, ce sont eux-là qui vont soutenir son œuvre. Or, Dieu n'a pas besoin de finances. Dieu a besoin d'un mécanisme par lequel il va te bénir. Donc, tu rentres dans ce processus-là. Savez-vous que chaque début de la semaine, comme aujourd'hui, les écrits des cieux sont ouverts ici. J'appelle ça la banque céleste du tabernacle. BCT. Et je te dis, notez ça aujourd'hui. Dieu permettra qu'un jour, dans ce ministère, une banque physique s'appelle également la BCT. Notez ça aujourd'hui, vous allez voir. Une banque qui sera aussi à travers le monde entier également. Une banque multinationale. Vous comprendrez que je parle de la part du ciel. Vous devez refuser la pauvreté parce que c'est le plan de l'ennemi. Regardez pourquoi l'Afrique est pauvre. Regardez pourquoi le Congo est extrêmement riche, mais la population est pauvre. C'est spirituel. C'est spirituel. Parce que le sol a été vendu depuis des temps, de longtemps. Il faut que ceux qui viennent y comprennent pour libérer le sol du Congo. Pourquoi le sol est riche? Tout est riche, mais la pauvreté, alors que plus loin dans le désert, on peut voir que rien que le fait de travailler, il développe des choses. Pourquoi l'Israël
en plein désert, on plante des choses. Et au Congo, ici, là où il y a tout, il y a la pauvreté, la sécheresse. Il y a une malédiction. Et c'est toi, partenaire, si tu crois dans ce que tu feras, tu vas commencer à faire. Tu vas libérer les sols de ton pays aussi. Tu vas libérer les sols de ton village. Tu vas libérer également ton lieu de naissance, si vous croyez. Au nom de Jésus-Christ. Les affaires sont spirituelles. Et l'argent a un pouvoir. Et un partenaire doit dire non, N-O-N, à la pauvreté. Non aux échecs. Parce que Dieu t'a créé comme une créature si merveilleuse. Tu peux éradiquer la pauvreté en mettant certains principes en pratique. En commençant, bien sûr, comme tu viens ici, tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que tu assistes dans nos prières et du partenariat ici, Dieu permettra que tu comprennes la source de tes problèmes. Si ce sont des problèmes de génération, tu vas les effacer, les révoquer au nom de Christ, t'élever en prière et déclarer pour que ton ciel soit ouvert. Comme on a vu hier également, cherche à fermer tes portes pour ouvrir ton ciel. Un partenaire qui croit réellement à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, qui est fidèle et qui ne manque pas chaque début de la semaine ici, quand vous venez ici, qui s'engage pour l'œuvre de Dieu, jamais celui-là restera malheureux dans sa vie. Et ça fera des générations. Même s'il part dans la gloire de Dieu, Dieu va continuer à bénir encore sa progéniture parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Je vais vous raconter ici, non? Hier, on a vu pour ouvrir le ciel. Parmi les quatre aspects, il y avait aussi les dons sacrificiels, comme le cas de Salomon, qui est allé donner plus de 1000 bêtes à la montagne. Et Dieu lui a envoyé un ange pour demander qu'est-ce qu'il voulait. Salomon a dit qu'il voulait autre, pas autre chose que l'intelligence et la sagesse pour ne pas échouer dans l'œuvre que Dieu lui a donnée. L'œuvre pour laquelle Dieu l'a établie. Le roi. Et tu verras que Salomon est resté l'homme le plus riche jusqu'à maintenant. On continue à faire encore des recherches concernant tout ce qui est sa richesse. Et on n'arrive pas. On continue encore à faire des recherches. Il y a 50 ans passé, un cabinet américain a fait des recherches. On avait estimé ses avoirs à 7 350 milliards à l'époque. Parce que c'est Dieu qui a béni. Quand Dieu te bénit, même tes progénitures seront toujours bénis. Voilà pourquoi tu es partenaire dans l'œuvre de Dieu. Et tu dois comprendre ce qu'est le partenariat. Si tu es fidèle dans tes dîmes, dans des offrandes, des actions de grâce, et qu'on maintenant l'action t'habite pour assister les pauvres, je te dis que ton ciel restera toujours ouvert, à la seule condition de fermer les portes. Et d'être reconnaissant à ce Dieu-là. Sinon, quand les réclamations viennent, ça va te tirer vers le bas et tu seras la queue. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions voir un cas dans la Bible. Comment la veuve de Sarepta était bénie. Bien avant ceci, je vous dirais que Dieu a commencé d'abord par te donner la vie que tu as. Et Dieu voudrait que tu lui sois reconnaissant. Ta vie sur la terre a un but. Tu n'es pas là par simple hasard. Tu es là parce que au dernier jour, Dieu te demandera le compte. Qu'est-ce que tu as fait avec la vie que Dieu t'a donnée? Combien d'âmes as-tu ramené dans le royaume de Dieu? Comment était ta vie sur la terre? Parce que tu es là en vie à cause d'une mission. Je disais ici avant, quand le confinement a commencé, j'avais déclaré aucun enfant de Misco, ici comme à l'étranger, ne sera atteint de ce Covid, ni ne mourra de cela, ni eux, leur famille, au nom de Christ. Oui ou non? Pendant que la maladie est en train de circuler partout,
pendant que ça chauffait ici, tu prenais les bus communs avec les autres, le moyen de transport, des fois sans protection, Dieu te protégeait encore. Mais tu dis, mais où est la résurrection? Où est la résurrection des résurrections? Tu n'es même pas reconnaissant ces dieux-là, toi. Dans les 7 ans, la foudre allait tomber et t'abattre. Tu n'es pas reconnaissant ces dieux. Tu pouvais mourir comme les autres aussi. Et rien que le fait que Dieu t'a épargné déjà de beaucoup de choses, Dieu a renouvelé beaucoup de choses, même ta vie. Tu serais mort comme les autres. Aller en Europe maintenant, à l'étranger, les cas continuent maintenant encore d'augmenter. On veut encore confiner de nouveau. Mais à cause des prières que nous faisons ici, tu es là, tu te promènes librement. Et tu dis, mais où est la résurrection en question? Demande à la voisine, tu n'es pas reconnaissant, tu es malheureux. Le manaï. Et tu finiras mal dans ta vie, cherche pas Dieu. Le manaï, répands-toi avant qu'il ne soit tard. Dieu t'a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que tu donnes en retour? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin que tu bénis, que tu sois béni. Et pour cela, Dieu voudrait que tu rentres dans un mécanisme pour que tu sois béni, qui est conforme avec sa parole. En payant ta dîme régulièrement, fidèlement, dans tes offrandes, dans tes actions de grâce, dans les actes de charité comme tu habites ici, en soutenant les pauvres. C'est comme cela que Dieu va ouvrir ton ciel. Si tu n'es pas reconnaissant Dieu, avec Dieu, ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie, jamais tu iras loin. Tu es limité, tu es plafonné et ton ciel est fermé aussi. Dieu a commencé par donner à Abraham, Machisédek a donné, et Abraham a payé la dîme. Et après, la Bible dit qu'Abraham donna la dîme, et Abraham a donné même de son tout, parce qu'il était prêt à sacrifier le seul fils de la promesse, Isaac, qu'il avait. Dieu a vu son cœur, et de là, Dieu l'a encore béni. Dis à ton voisin, tu dois refuser la pauvreté. Que ça vienne des générations. Que ça vient de toi-même, tu dois dire non à cela. Te lever en prière, annuler les lois établies. Te lever en prière, demander au Saint-Esprit de t'assister pour avoir un cœur, de donner et de soutenir les pauvres et les veuves, les orphelins. Tu ne demandes pas cela, ça ne viendra pas. Le diable va se rassurer de te tirer vers le bas. Proverbe 14, 20. Proverbe chapitre 14, le 20e verset. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Amen. Les pauvres, tout le monde doit les rejeter, mais si, dès que tu as des moyens, c'est tout le monde qui va chercher à être ton ami. Qui veut devenir riche ici? Qui? Qui? C'est tout le monde. Mais alors, revenez à Dieu et mettez les principes de Dieu en pratique, commencez à ouvrir le ciel. Ce sont des principes élémentaires. Mais le diable endurcit ton cœur. Qui t'a demandé de faire? Tu l'avais dit, on prêchait ça avant de les mettre d'ailleurs. Marcher sur les instructions de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Quand je vois l'histoire un peu de la veuve de Sarepta dans la Bible, cette dame
Évidemment, quand le prophète Élie avait décrété que le ciel soit fermé, il y avait la famine, il y avait trop d'histoires en Israël. Mais Dieu avait prévu la nourriture pour Élie. Dieu l'a déplacé au pied du torrent pour se faire nourrir par un corbeau et boire l'eau du torrent. Et à un moment que cette eau avait s'était épuisée, Dieu l'a demandé d'aller plus loin là-bas. Il y a une veuve qui devait le nourrir, effectivement. Cette veuve a ses résultats. Cette veuve disait quoi? Quand on nous lit cela, s'il vous plaît, dans 1 roi, chapitre 17, du verset 8 jusqu'au verset 14. 1 roi, chapitre 17, du 8e au 14e verset, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'au verset 16, 8 à 16, rapidement. Le 16e verset. 8 à 16. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel qu'il avait prononcée par Élie. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, et dame, à cause seulement de l'acte de donner, elle a quitté de la pauvreté à l'abondance. Quand je parle de l'abondance, c'est-à-dire, c'est une richesse intarissable. Ne crois pas qu'avoir beaucoup d'argent, c'est ça la richesse. Non. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu as des problèmes chaque fois. Comme les gens qui sont dans les Kodia, ils sont là pour supporter des cas de mal. Tout le monde dans leur famille, ils ne sont pas calmes. L'argent doit servir aux autres. Dans des maladies, dans des deuils, dans des enterrements, tout. Parce que c'est toi qui détiens le pouvoir de la famille. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu n'as pas la paix. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu ne dors pas la nuit. Je connaissais un grand homme d'affaires là. On le voit millionnaire. Mais quand les OE
Il descend avec le mal sur sa tête, vite. Il sort. Il rentre à 4h du matin, chaque jour. Quel argent? Là, tu es esclave quelque part. Tu peux croire que tu as beaucoup d'argent parce que les choses semblent marcher. Mais quand tu n'associes pas Dieu, tu deviendras malheureux. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu n'es pas fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, tu ne sais pas comment soutenir le pauvre, tu seras malheureux parce que le diable viendra se rassurer que tout ce que tu as là-bas, vous allez voir que ça va te ronger, ronger, tu resteras nul. Je connais des gens qui disaient qu'ils avaient des milliards, mais aujourd'hui ils n'ont rien. Je vous disais que je connaissais un ami entrepreneur comme moi. Un jour, je partais à la banque avec lui à 10 heures. Il retirait 1 million de dollars. Il a retiré 1 million de dollars. À 16 heures, il n'avait plus rien. Il cherchait où aller emprunter de l'argent. C'est la pauvreté. Parce qu'avec ça, on te donne un esprit qui va te contrôler des dépenses. Tu ne sais pas. Tu n'as rien parce que tu n'as pas associé Dieu. Tu n'as pas associé Dieu. Mais cette dame, elle n'avait que ça. Il y avait la pauvreté, la famine dans le pays. Elle a vraiment. Mais l'homme de Dieu lui a dit, parce que c'est Dieu qui voulait bénir la femme. Dieu voulait seulement à travers la femme, c'est peut-être que vous compreniez que malgré ce que vous croyez être, c'est-à-dire dans la pauvreté, dans la disette, que tu n'as rien à donner. Non. Le fait de donner, ce n'est pas seulement aux pauvres, non, aux riches, non. Tout le monde peut donner. Dieu voit votre cœur et comment tu es disposé à donner pour qu'il te bénisse. Dieu a envoyé le prophète Élie auprès de la femme. Là. C'était un enseignement. Il y avait la sécheresse, la famine. Et la femme partait ramasser du bois juste pour faire un petit gâteau. Manger et faire manger également son enfant, après ils vont mourir. Selon... Dieu voyait que c'était une veuve. Voilà comment elle s'est démenée. Parce que même quand Élie avait fermé le ciel à cause du péché des enfants d'Israël, même les fils de veuves ont été frappés. Hein? La malédiction était là pour le pays. Mais quand Dieu a voulu bénir la veuve, Dieu a envoyé un prophète pour lui dire, fais ceci, fais cela, donne ce que tu as là-bas. Oui, donne d'abord. Et l'homme de Dieu a déclaré que la farine, l'huile, ne manquera pas dans ta maison. Oui ou non? Et la Bible nous dit ici quoi? Quand elle a accepté la parole de l'homme de Dieu, elle a accepté elle-même de manquer, de donner de son tout qui lui restait là-bas pour servir d'abord pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit ici que la farine ne manqua plus jamais chez la femme. L'huile également ne manqua plus jamais. Elle était devenue dans l'abondance. C'est ce que Dieu attend de toi. Comment te bénir? Derrière l'acte de donner aux pauvres, il te bénira et ton ciel également s'ouvrira. Pendant qu'on parle de la récession économique, parce que ça vient, je vous dis ça, je vous ai dit ça avant ici. La récession économique, il y a ceci, il y a cela, parce que c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Tu ne manqueras de rien dans ta vie, dans ta maison, toi et tes enfants. La provision viendra du ciel. Je vous ai dit ici, avant le confinement, j'avais dit, vous voyez, ces grandes puissances-là, parce qu'elles ne connaissent pas Dieu, vous allez voir, Dieu va continuer à compliquer encore des choses. Je n'ai pas dit ça ici. Aujourd'hui, on s'est encore à reconfiner. Gloire à Dieu. À cause de tes prières, Dieu est en train de te protéger. Dieu protège ton pays. Priez également pour ceux qui sont plus loin, qui s'accrochent à Dieu. Même ceux-là qui ne croient pas en Dieu, qui voient que c'est Dieu qui est en train de s'élever pour qu'il les cherche, qu'il s'élève, afin qu'ils croient que celui qui a créé les cieux et la terre est vivant. Et je vous dis que si ces grandes puissances continuent à s'entêter, vous allez voir qu'elles deviendront
trop pauvres, vous allez voir. Et Dieu va susciter des pays africains qui vont chercher Dieu, qui vont élever. Les gens viendront chercher Dieu ici. Les gens viendront chercher ton Dieu. Évidemment, si tu ne fuis pas, parce que les gens, ils croient que quand ils s'éloignent de Dieu, ils croient à tout ça. Si tu restes fidèle, Dieu te bénira. Si tu es loin de Dieu, tu perds aussi la grâce. Dieu bénit ceux qui sont fidèles et ceux qui sont persévérants. Mais je peux voir encore dans la Bible, bien aimé, dans 2 Corinthiens 8, 1 à 3, rapidement. 2 Corinthiens chapitre 8, du 1er au 3e verset, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Amen. Évidemment, Paul, l'apôtre Paul disait à propos de l'église de Macédoine, nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Et ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Oh, bien-aimé, quelle grâce! Donner, ce n'est pas seulement réservé aux riches. Même à ceux-là qui eux-mêmes, ils pensent, ils croient qu'ils sont pauvres, alors que Dieu cherche à travers leur état de se manifester puissamment quand ils rentrent dans l'acte de donner comme la vue de Sarepta. Dieu va démontrer sa provision illimitée dans leur vie, dans leur maison et dans tous les secteurs, même dans le domaine de leur vie, si réellement vous croyez. J'ai bien dit à quelqu'un de dire non à la pauvreté. S'il comprend, qu'il se lève et dise, j'ai dit non à la pauvreté. Hériter de mes ancêtres, de mes parents, ou contracter de moi-même, je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, Christ a accepté de donner sa vie en sacrifice. Il s'est chargé de nos maladies. Il a porté notre pauvreté. Il a porté notre humiliation. Et moi, je suis co-héritier avec Christ. Pauvreté, sois éloigné de moi. Échec, sois éloigné de moi. Humiliation, sois éloigné de moi. Limitation, sois éloigné de moi. Blocage, sois éloigné de moi. Maladie, sois éloigné de moi. Sécheresse, sois éloigné de moi. Famine, sois éloigné de moi. Je suis un enfant de la promesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est acté par décret céleste. Et enfin, bien-aimés, j'aimerais un peu qu'on nous lise, s'il vous plaît. Marc chapitre 12, 43, 44. Marc chapitre 12, du verset 43 au verset 44, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »
Amen. Christ disait que la veuve qui n'a donné que ce pas des centimes là, par rapport aux autres qui donnaient tout ce qu'ils avaient là-bas, elle a donné avec le fond de son cœur. Comment donnes-tu à Dieu? Comment est ton offrande? Est-elle comme celle de Caïn ou d'Abel? Parce qu'Abel a donné avec le fond de son cœur. Abel a donné ce qui était précieux. Comme il était berger, la Bible dit qu'il est allé prendre les prémices, le premier de son troupeau pour offrir à Dieu. Par contre, Caïn a ramassé seulement, comme il était agriculteur, il a ramassé, même les fruits pourris, ramassé, parce qu'il fallait faire une offrande. Comment est ton offrande à Dieu? Voilà le secret pour ouvrir ton ciel bénédiction, pour avoir les finances, pas seulement les finances, pour également être en bonne santé, pas seulement là, pour que Dieu ouvre toutes les portes qui étaient fermées devant toi. Le principe est là. Je peux prendre un exemple ici, pour que vous compreniez que la pauvreté a un problème terrible. Où est notre frère qui est allé prêter hier? Il est où? Viens devant ici. Vous allez comprendre que la pauvreté a un problème, a une cause spirituelle. Je prendrai deux cas, parce que même si je dis que c'est du théâtre, je regrette. Je voudrais que pour ceux-là qui comprennent, de vivre la main de Dieu et de comprendre comment Dieu est capable de les bénir. Je prendrai trois cas. Ce cas-là, ce cas ici, toi, et ce cas que tu es là, tu fais comme ça, trois cas. Si vous voulez avoir la grâce, toi également, passe devant. Ah, notre jeune fille. Hein? Tellement que tu es jeune, même tes cheveux sont comme des jeunes filles, hein? N'est-ce pas que tu es à la mode, maman? À la mode, hein? Hein, maman? Tu as maintenant 15 ans, n'est-ce pas? Ah. Je prends trois cas ici présents pour que vous compreniez que la pauvreté, c'est une malédiction et cela vient du diable. Je ne dis pas qu'ils sont dans la pauvreté. Je te parle des liens de famille. Mettez-vous ici, s'il vous plaît. Mettez-vous, séparez-vous. Un mètre, un mètre, un mètre. À supposer que une, deux, trois, quatre vient d'une même famille. C'est pas un exemple. Et qu'il y a des alliances qui datent de 500 ans. Parmi eux, personne ne peut évoluer. Je prends un exemple. Qui est dans une famille, il y a des liens de Kodia ici. C'est dans toutes les familles. Qui? Il vient des liens de Kodia. Toi aussi. Kodia? Si. Ah, on tira tes points. Moi, je vois des choses. Ah. Tu doutes alors que je vois des choses. Reste devant là-bas. Toi, tu vois rien. Moi, je vois des choses. Le Kodia, ce n'est pas seulement chez Bakongo. Hein? Dans toutes les tribus, il y en a partout. Il y en a. Elle doute. Mais je vois qu'il y a de l'argent sale qui la contrôle. Elle ne sait pas. Mets-toi un peu devant ici. À supposer que c'est sur elle qu'on a déposé l'autorité. N'est-ce pas? De la famille. Donc, c'est elle qui doit évoluer, même si elle vend du pain. Elle va aller trop loin. Même si elle vend des arachides, elle va aller trop loin. Mais les autres, même s'ils ont terminé les études, tout ce qu'ils vont faire, rien ne va évoluer parce qu'il y a quelqu'un de la famille sur qui on a déposé le pouvoir. Et quant aux autres, limitations, échecs, humiliations, célibat, divorce, mort précoce, des maladies, parce qu'il y a quelqu'un que la famille a élevé et la famille compte sur la personne. La personne peut ne pas être dans la sorcellerie, mais on peut l'initier sans qu'il sache, par un pouvoir de la parole,
par une cérémonie sans qu'il le sache, mais on l'intronise. Et la personne en question, il aura des problèmes, même dans sa maison, même pour ses enfants. Lui-même ne sait pas. Il aura beaucoup de tribulations après. Qui est dans une famille pareille. Voilà. Tu verras que même ces gens, tout ce qu'ils vont faire, si elle fait des importations, elle commence bien, elle finira par échouer. Elle peut terminer l'étude, elle travaille plafonnée. Elle a un magasin, elle ne travaille rien. Lui, il veut se marier, il dit non, il ne veut pas se marier. Parce que quelque part, il y a un pouvoir devant qui contrôle toute la famille. Qui est concerné? Gloire à Dieu. On te laisse travailler. On dit, on t'a béni. On t'a béni, toi, de la famille. Allez de l'avant. Sans que tu le saches que tu es connecté, utilisé. Que les autres et leur famille vont dépendre rien. Parce que leurs étoiles seront utilisées ici. Elle ne connaît pas. Mais elle vient de cela. Elle ne connaît pas. Elle doute. Mais le Seigneur me dit qu'elle est concernée aussi. Elle. Vous allez entendre comment cet agent sale contrôle la famille. C'est comme cela que tu vois. N'envoyez pas vos enfants en vacances si vous ne connaissez pas l'origine de folle. Oh, l'enfant est allé chez l'oncle à ma campagne, à l'imité, à combo. Parce que l'oncle, son attente a des. Je ne dis pas que tout le monde est. Mais je vous dis pour la plupart des cas, c'est comme cela. Je connais une fille qu'on a envoyée depuis son bas âge, 4 ans. Parce que la tante avait beaucoup de moyens. C'était à Lubumbashi. Et après, elle était mariée dans un mariage bien pendant 10 ans, pas d'enfant. Elle vient à prière ici, on découvre que depuis 4 ans, la tante l'a élevée dans des choses impossibles et connectée dans son commerce parce qu'il fallait avoir de l'argent. Tu vois, si tu es allé grandir quelque part, toi, tu as envoyé un enfant quelque part. Toi, tu dis que tu n'es pas concerné. Vous allez comprendre comment ça marche dans des familles. Merci, Sœur Saint-Esprit, pour ta grâce, afin que le peuple de Dieu soit enseigné, qu'il comprenne que l'argent a un pouvoir et que l'argent sale peut détruire la famille. Que tout soit révélé ici en rapport avec ce qui vient d'être enseigné à travers la personne qui est devant ici, qui est implantée comme responsable alors qu'elle est concernée elle-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Elle disait que je ne suis pas concerné. Quand le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, mes yeux dirigés vers toi, toi aussi viens devant. Toi aussi viens devant. Devant. Viens vite. Je prends son cas. Elle aussi. Elle est concernée. Son papa, beaucoup d'argent. Elle est au Deuxième République, à côté de l'ancien président. Elle était beaucoup de moyens. Mais tous les enfants hypothéqués et la progéniture, toujours des opérations, mort subite, limitation d'âge, même les enfants, personne ne peut se marier. Elle a réussi à faire marier une de ses filles aînées, ça devient un problème. Quelque part, celui qui était là, les géniteurs avaient hypothéqué la famille à cause de son pouvoir aussi. Je dis qu'elle est concernée. Elle ne croit pas. C'est quoi? Elle n'est pas concernée? Oui ou non? Vous allez comprendre comment ça marche de l'argent sale ici. Que tout soit révélé. Ok. Elle-même, comment elle est contrôlée avec cet argent-là sale? Elle dit qu'elle n'est pas contrôlée, mais elle est contrôlée aussi. Ça vient d'où? Oui? Elle dit que je ne suis pas concernée, alors qu'elle est concernée. Ce que vous recevez comme message ici, quand Dieu commence un travail, profitez-en. Parce que c'est une délivrance qui se fait également en vous. Oh, il est l'heure, je vais partir. Je ne t'oblige pas de rester ici.
Mais quand Dieu commence un travail, ce n'est pas à moi de l'arrêter. C'est le ciel qui fait ce travail pour vous qui venez ici et pour tous ceux qui suivent là-bas pour recevoir la grâce. Je n'ai pas l'autorité sur Dieu. C'est Dieu qui a l'autorité et le pouvoir sur moi et sur ce ministère qui dirige pour que vous compreniez des choses. Tout le monde est concerné. Ok, elle est concernée aussi. Elle ne sait pas qu'elle était concernée. Hein? Mais tu l'as déjà dit. Quoi? Tu l'as déjà dit. Je ne sais pas. Comment elle dit là-bas qu'elle n'est pas concernée? Mais sa grand-mère l'avait hébergé, non? Qui? Tu sais pas, sa grand-mère. Hein? Le petit frère de son grand-père. Ah, qui a beaucoup de moyens. Oui. Où ça? Je ne sais pas. Oh. L'icône à famille, à Fandarana Gombe. Azala ma pangue belé belé. Eh bien, ma cabangote. Tu n'as voisin, au Tindara moi n'est pas un nani, tu n'as. Au Kola n'est pas un nani, tu n'as. Voilà comment l'argent a un pouvoir. Alors, qu'est-ce que cet argent a fait dans la famille, dans la progéniture, parce qu'elle était hébergée là-bas? Hein? Nous contrôlons tout dans sa vie. D'accord. Hein? Nous le contrôlons. Oh. À quoi qui est musique? Oh. On contrôle et elle. Et la progéniture et les enfants, parce que si ça va des choses. On a d'abord commencé par sa mère. Par sa mère? Oui. La bannière aux oiseaux et la congé. La quitté pas la quitté. Mon dit qu'on a ça par terre. Je ne connais pas. Mais oui, la banque, on vraiment la personne qui parle, je ne connais pas ces choses. Mais le Saint-Esprit m'a demandé, m'a montré qu'elle est concernée. Et parce que Dieu ne fait rien au hasard, tout le monde également ici est concerné. Père également, tu ne sais pas, prions Dieu, que Dieu révèle des choses. Ça va, tu grossis comme ça, c'est le mariage. Après le mariage, regarde comment tu as une bonne mine. Qui se souvient le jour que j'ai déclaré qu'on va l'épouser cette année? Qui était là? Le bas, ce que je dis, c'est que je dis que je le bas que le bas que je dis 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 persévérant, je dis que je pas persévérant, que je dis 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 que je premier mari, oui ou non? Oui. D'abord, il y a que mon Dieu, quand j'ai pu cette année, va là yo. Hein? Oui. Hein? Oui. Robot avait ma passe. Ah! Zabi. Bon, non, non. Parce que c'est passé après d'autres déjà. Mais, allez vous donner, oui ou non? Oui. Zabi Souga. Et les Ngaribala, Boko Bali Sapé, Boko Bala, dans le ministère, yo. Au robot, ils sont ceux qui ont aimé, tu recevras la grâce de Dieu. Si vous croyez être persévérant, vous allez vivre également la main de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Je prends aussi les cas. Elle ne connaît pas. Mais elle vient d'une famille pareille. Également, l'homme qui veut l'épouser également a vient de choses pareilles. Mais comme elle prie à travers elle, ce méchant-là également sera libéré. Regardez les jours de sa prédote. Disons que Bako pèse sa boucle, le malade, opération, pas la caca balati. Oui ou non? On a même reporté, j'ai dit, on ne va pas reporter. Même chez toi, on ne va pas reporter cela. Au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup à voir ici. Mais le problème, c'est quoi? Ils allaient tout faire que son beau-père meure un jour avant la prédote pour reporter cela. Et ça devait être ramené à plus tard, et puis après, longue histoire. Je dis à quelqu'un que le diable échouera toujours dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu as crié à mon Dieu, oui ou non? Oui. Maintenant, n'est-ce pas que tu grossis? Le mariage est là, il n'y a plus de soucis.
Elle était là engagée ici à l'église, en train de nettoyer l'église. Qui se souvient d'elle? Elle a vécu l'humiliation, des fausses accusations, même dans son quartier. Un jour, je la voyais ici en train de pleurer. Je me conseille comme ça, Esaïe Tumanayo, l'élévation est devant toi, la restauration est devant toi. Oui ou non? Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Mais si tu doutes, tu seras 0-0. Parce qu'elle avait écrit à mon Dieu, elle s'est engagée au département, elle était même fidèle au département, malgré qu'on se moquait d'elle, on l'humiliait, elle s'accrochait. J'ai dit, à un moment, elle allait fouiller l'église pour la sonner, oui ou non? Alors que c'est le diable qui était là. C'est à qui m'a ramené à balipéter? Au moins, Satan. J'allais fouiller, oui ou non? À cause des fausses accusations. Les diables venaient toujours au Kamakambo. Alors que c'était le plan pour qu'elle est chaude. Aujourd'hui, elle a tenu bon. Elle est honorée. Maintenant, on peut voir qu'elle grossit. Elle devient plus belle qu'avant. Oui ou non? Mais les diables voulaient la faire sortir aussi. Hein? Que Dieu t'accorde la grâce. Hein? Je bénirai ton mariage ici. Passe comme prêtre de salami ici. Hein? Les gens vont croire en mon Dieu. Merci Seigneur. Vous t'avez dit que ça se passera ainsi. Je sanctifie d'abord ton doigt de mariage. Et que tout ce qui pourra bloquer cela soit annulé de ton côté. Que tu te maries au nom de Jésus. Amen. Maman. Celle-ci, à cause de l'argent sale, hypothéqué, opération, on t'a opéré combien de fois? Deux fois. Et on est en train de préparer encore une autre opération, j'ai dit non à cela. Elle a même perdu sa soeur, limitation d'âge. Elle a témoigné ici, elle avait connu la pauvreté, oui ou non? Mais son papa avait beaucoup de moyens. Le Dieu des Misco l'a restauré. Aujourd'hui, elle roule, oui ou non? Elle a même une parcelle, oui ou non? Elle vient de faire marier sa fille, oui ou non? Hein? Ou en tout cas, pour Bali Sabango, hein? Amen. Allez-y. Le maçon qu'on dit, maka, au kozoa. On dit, maka, te, au kozoa, te. On doute, au kozoa, te. Si tu es persévérant, tu vas réussir. On s'en dit, bala, kende na. Quand on est dans Zamb, son okibi metalio. Mais okibi metalio. Voilà encore celle-ci. Oh my God. On dit pourquoi elle doit être esclave, elle doit travailler pour les autres. Elle doit travailler pour les autres. Pourquoi j'ai prié sur elle? Comment elle a acheté une voiture? Qui était le jour que je remettais les clés de contact à tout le monde qui était là? Toi également, si tu as tenu à cela, au Kosopayango. Oh non, Jésus-Christ, amen. On dit qu'elle doit mourir parce qu'elle doit laisser la parcelle. Quelqu'un attend ça déjà. On dit pourquoi elle porte les bracelets là? Il fallait qu'elle meure. On l'a cherché. On l'a flanqué de maladie là. Médicalement, on découvre que non, c'est l'hernie, on doit l'opérer. Elle marchait comme ça. C'était une façon de l'opérer afin de. On a prié Dieu. On t'a opéré? Tu as crié à mon Dieu, oui ou non? Oui. On t'a opéré? Non. Tout était là, qu'on l'opère. Elle venait marcher comme ça. Pourquoi soyez Moutouka? Hein? Elle devait mourir. On a récupéré sa personne. On a prié Dieu. Elle a crié. Mais pas qu'elle est guérie. Gloire à Dieu. Hein? Tu veux qu'on parle encore des choses? Il y a beaucoup là-bas. Mais Dieu fait la grâce. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Si tu étais marié, mais quoi des réclamations après deux enfants? Restauration dans tous les secteurs de ma vie. Comme tu es femme, d'abord le mariage, oui ou non? Pesara de Pouta. La restauration, Pesara de Pouta.
Bon, au théâtre, il y a une qui était ici, hein. J'ai porté juste le pain à pessier. Non, comme une amie. Non, c'est pour son mari. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons. Je vais déclarer mon Dieu. Tu es une femme. La restauration, n'est-ce pas? Oui. Dans tous les secteurs de ta vie. Oui. Le mariage, la fécondité, la stabilité, la promotion, n'est-ce pas? Oui. Une très longue vie et santé de fer. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On reconnaît une femme ici par quoi? Pagne, oui ou non? Qui te dit qu'en tant que femme, tu dois rester comme un homme? C'est-à-dire qu'on ne doit pas t'apprécier, non. Merci Père, qu'elle disparaisse, que c'est toi qui apparaisse. Gloire à Dieu. Ce qui n'a moni, moi si comme la est. Ce qui n'a moni, moi si comme la est. Oh, nanya tokani na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Ce qui n'a pas ni moi, si n'a pas aimé. N'a pas pas zambé. Et Yahweh. N'a pas pas zambé. Oh, n'a n'y a ni na yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Merci Seigneur. Je veux commencer par elle. Vous voyez son âge. Ogobala. Yakao. Hein? Sambe Sunga. Vous voyez son âge. Elle dit que bala pas au pota. Yakana yao. C'est ça. Quand tu dis non à la pauvreté, c'est-à-dire que ton ciel qui était fermé, il dit pas que l'imoignon, ce que nous allons vous fungwana. Maman, tu crois à mon Dieu? Là, tu sais. Il peut se rendre plus loin là où tu es là. La pauvreté prendra fait dans ta vie. Dans tous les secteurs de ta vie, tout sera libéré. Pour ta vie, pour tes enfants, pour ton foyer, tout sera libéré. Le mariage est libéré. Fécondité est libérée. Les percées libérées. La pauvreté dira bye bye. Montre-moi ici. Je sais ma porte. Voilà des choses. Parce que quelqu'un a vendu toute la famille. Bakobalaté, limitation d'âge, ainsi de suite. J'ai porté ceci pour vous faire remarquer qu'Aza, moi, c'est-à-dire que moi, c'est cousin Kelaye. Elle sera honorée comme femme. La pauvreté, sécheresse maritale et panaye bongi. Plus de divorces. Plus d'instabilité dans le foyer. Voilà. Hein? Voilà des choses. Qu'est-ce qu'elle a passé mauvais? Elle a tiné. Elle a bêté ma coffre. Voilà. Hein? Il faut dire non à la pauvreté. Quand ton ciel est fermé, la pauvreté spirituelle est là. Tu auras la pauvreté dans tous les secteurs. Le mariage, les finances, la fécondité, tout, tout, tout. J'ai déclaré dans la Tiango, restauration et l'Iba là. Voilà. Voilà. Hein? Non! Ah. Vous voyez des choses. Le bas, au moins, il y a un théâtre et au tir à mon théâtre. Ce qu'on dit, mieux aussi grâce. Et ça, nous, bon, donc, il y a famille, au moins, il y a un théâtre. Le bas, le voisin, bon, donc, il y a famille, le bas, il y a. Bâti, au moins, il y a un théâtre. Retirer à mon théâtre. Heureux, j'appelle le roté. Non, pas la nienne. Vite. Hein? Parce que il y a la pauvreté spirituelle qui est là.
dans cette pauvreté-là. À tout balinayo, tu vas divorcer. À tout somme le pang, tu seras malheureux. Tout ça, la pauvreté spirituelle est là. J'ai déclaré dans la tipoute à pécier. Bon, moi, c'est Zongi Mabé. Hein? Elle était aussi mariée dans un foyer après. Hein? Parce que dans leur famille, personne ne peut rester dans un foyer. C'est ça la pauvreté spirituelle. Ça va endommager tous les secteurs de votre vie. On peut te laisser au balinayo. Sukasuka au divorcé. Si tu crois, la même grâce également te localise. Elle localise ta famille. Elle localise ta vie. Elle localise tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Présente les pressions. Viens les poutons. Hein? Où est son âge? C'est une femme, non? Hein? Quel que soit ton âge, si tu crois à mon Dieu, tu crois à mon alliance, au Kobal, au Kobota, mon Dieu ne connaît pas d'âge, même pas la ménopause. Donc, tu as combien d'enfants? Lève-toi. Lève-toi. Osa Ban Aboni. Un enfant, pourquoi? Stérilité. Voilà. Est-ce que Dieu t'a créé stérile? C'est ça la pauvreté spirituelle. Tu te crois, mon Dieu? Dieu mettra fin à cela. Amen. Quel que soit ton âge, si tu crois, Dieu te donnera au-delà même de ce dont tu penses. Amen. Je prends son cas. Elle est chavoisée à Bali, on va la koufaka. Après 7 ans, on va la koufé. À Bali, sous 7 ans, on va la koufé. C'est comme Kobanga, Kobala. Kobala, elle est sikou. Maman de retour au Kobala. Ah. Aussi, pour tout, maman. Vous la voyez, non? La pauvreté spirituelle était là. Qui a endommagé les mariages. Tout. Moi, ne trouve pas, elle a dit, hé. Va t'essayer. Merci pour ta grâce. Il n'y a pas même grâce. Ok, voilà. Merci Seigneur pour ta grâce. Voilà la pauvreté spirituelle qui bloque le mariage, tout comme ça. J'ai déclaré comme le prophète Élie avait déclaré pour la femme de Sarepta. Si vous croyez également, ton ciel sera libéré. Et si vous croyez également avec l'action Tabitha, et donner pour lever les orphelins. Laisse-moi te dire, je vais encore déclarer que rien ne manquera dans ta vie. La provision ne manquera jamais dans ta vie. Et cela de génération en génération. Donc, amen. Ok, on va partir. À quand ton mariage? Ça traîne. Hein? Ah. My God. Ma soeur, grâce. Bon, il y a beaucoup à faire ici. Il y a des cas ici. Maman, Yaka. Ma camarade, il y a encore la blague. Mais j'ai porté ça, j'ai déclaré, c'est tout. Maman, ça a bon abonné. Moukaka Moko. Il reste ma commission de fille. Oui ou non? Si tu crois en mon Dieu, sans doute. Bon, là tu sais. Là tu sais. Dis-moi qu'on a un zambé. À ça la grâce, c'est pas là. On dit ce qu'on dit. On a un zambé. Merci Seigneur, parce que tu as restauré sa vie. Un zambé. Voilà la pauvreté spirituelle. Limitation d'enfants. Pas de mariage, tout consort. Parce que la pauvreté était planifiée dans la vie. Alors tu n'es pas là. Alors tu nini, Yoka. La pauvreté elle est mauvaise, elle est spirituelle. Vous devez révoquer, dire non à cela. Tellement la pauvreté.
dans tous les secteurs de ma vie. Je ne suis plus votre candidat. Ni moi, ni mon mari, ni ma femme, ni mes enfants, ni ma progéniture. Je te refuse définitivement dans ma vie. Au nom de Christ, priez Dieu. Priez Dieu. Nous avons ainsi prié Dieu au nom de Jésus. Amen. C'est acté. Voilà des choses. J'ai déclaré, Thème, c'est ma bête. Hein? Alatinine, Bratienine. À cause des réclamations. Quand elle avait 15 ans, combien de mains à Kassai, elle a fait une cérémonie. Hein? Na Kassai, à 15 ans. À 30 ans, elle a fait ceux qui m'attirent, ceux qui tombent. Parce qu'il y avait des réclamations là-bas. La famille était vendue. Donc destinée à la pauvreté spirituelle. Alatienine, voilà. Vite, vite, on va partir. Alatienine. Hein? Alatienine, bon, tombogao. Il vous fait avaler le sang d'aspiration de Christ que tout soit révélé. Alatienine, bon, tombogao. Hein? Elle a dit ma bé. Elle a dit nine. Hein? Quand je porte, je te donne. Tu as la grâce. Tu peux prendre ton stylo. Merci Seigneur pour ta grâce. Viens là-bas. Ah! Même c'est ma soeur. Débrasser. Elle a tenu une main. Hein? Elle a tenu une main. Elle a tenu une main, les gars. Elle fait des affaires aussi, non? Mais des fois, ça ne marche pas, des fois, ça marche parce que tout était bloqué. Elle a des magasins, oui ou non? Elle a tenu une main, alors. Hein? Bon, sa vie est libérée. Merci Seigneur pour la stabilité dans sa vie de foyer, épouse dans un foyer et mère de la multitude. Parce que mon Dieu ne connaît pas d'âge de ménopause pour donner des enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur, je sanctifie ces bracelets prophétiques, que ce soit déconnecté du pouvoir de contrôle. Il y a des bracelets d'accomplissement ici. Et les bracelets de la résurrection. Merci Père. Ce qui est important ici, c'est la parole de Dieu qui est là dedans. Et non les bracelets. La parole prophétique. Bien papa, toi qui viens de la France. Maintenant avec ici, vous êtes habitué, c'est bon. Il est français. Il est habitué, il est arrivé ici avant-hier, habitué. Habitué. Nous sommes, Dieu nous protège. Et ils sont habitués. C'est pas mauvais. Merci, je remercie Dieu parce que tu es arrivé ici, tu as cru en mon Dieu, comme l'autre ici est venu ici. Tu viens de loin parce que tu as cru en mon Dieu. Que Dieu te bénisse, tu es venu parce qu'il faut participer à l'action de Tabitha. Merci. Parce que tu as compris. Tu as compris la grâce qu'il y a derrière l'action de Tabitha. Pour aider les pauvres et les orphelins, les veuves. Que mon Dieu se souvienne de toi. Tu as payé ton billet. Tu viens pour une semaine ici. Que ce Dieu-là soit glorifié. Je t'ai fait porter ce bracelet prophétique afin que tout ce qui était mort dans ta vie, ta main droite, puisse avoir la résurrection. Oh my God. Quand il y a une photo, on a. Où est sa femme en Europe? Regarde comment ton mari est par terre ici. Filmez Yekuna. Sa femme suit maintenant. Filmez le mari. Lève-toi. Ah, ah, il pèse. Oh, donne-moi ta main. Ah, allez, 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 allez. Je
C'était la résurrection et l'accomplissement de la parole prophétique dans ta vie, dans ta carrière. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ah. Namo nayo Yesué. Merci, Bayo Yesu. Bien aimé, on a terminé. Mais c'est un cas ici qui m'interpelle. Suivant. On a terminé ici. Voilà notre frère. Je vous ai dit à cause des réclamations, à cause de la pauvreté spirituelle. Prends tes choses, prends les mains. À cause de la pauvreté spirituelle, il a terminé, il s'est enseigné en économie, à l'université. Il a commencé à travailler dans une banque. On dit quoi? Quand il trouve une femme, une fiancée, on l'a révoqué. Dieu a fait grâce. Il s'est accroché à Dieu, il a crié à mon Dieu. Il venait même à pied ici. Il quittait tard avant que je ne quitte. Je déclarais un jour que le Dieu que tu viens chercher ici va te restaurer. Ça n'a pas fait une semaine, on l'a rappelé la même banque après ces 3 ou 4 ans qu'on l'avait révoqué. Et maintenant, hier, pour aller prédoter, il achète une chèvre. On a demandé l'argent, la dot et deux chèvres. Il achète une chèvre, deux chèvres le vendredi, le jeudi. Le mariage, c'est le dimanche. Vendredi matin, une chèvre meurt. Samedi soir, une autre chèvre meurt. Hein? Parce que lui ne peut pas rester sable dans un foyer. À quoi balater, moi ça va la péter. Il est parce qu'il a dit, oh, on a dépassé mon ming, vous voyez, pour la tabananga, il n'a rien à dire. Ajoute tabango. Bosse langai cabri. Moi, c'est pas, il bosse langai, il bosse langai, mais sopo. Nous avons allé, moi, si naïe. Moi, si allé, mon bain naïe. Bon, on va aller, puis moi. Le diable est risé. Yo mto bala to si o bala kala to di bala ba parana yo dote landa ka oti le loyo to di bala na oti amana dote landa ka oti le loyo que les conséquences de cela soient effacées dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, amen. Ça s'est bien passé hier. Tu as payé la dote? Oui. Ah, gloire à Dieu. Comme un rêve, mais c'est une réalité. Hein? C'est pour moi comme un rêve. Un rêve. Réalité. Parce que j'avais fait au début 3 ans au travail, mais je n'ai pas pu me marier. Hein, mais après, on l'a révoqué. Une année, j'ai totalisé une année de mon travail le 25 hier. Mais je puis quand même me marier. C'est une grâce. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Que tu accueilles la grâce. Que tout ce qui était fermé sur ton parcours soit ouvert. Et que la grâce de Dieu te localise. Amen. Te localise. Te localise. Te localise. Amen. Te localise. Okay. Lève-toi là où tu es là. Merci pour ta grâce, Seigneur. Allez, merci pour ta grâce. Lève-toi là où tu es là. Merci, Seigneur. Merci. Tabernacle partenaire. Réma Fatouma. Réma Fatouma, c'est qui? Ok, merci Seigneur. Ah. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse. Que ton chemin de retour soit plongé dans le sang de Jésus-Christ. Que la pauvreté reste l'objet du passé dans ta vie, dans ton foyer, dans ta carrière, dans tes affaires. Que toute pauvreté spirituelle programmée depuis les ancêtres soit annulée et que ton ciel soit ouvert, ouvert, ouvert. Au nom de Jésus-Christ, amen. Shalom.